La marche de Valcourt est basée sur un miracle qui se serait passé en l'an 1225 ou 29. 100 ans plus tard, c'est-à-dire en 1329, on trouve la trace de la procession. Donc la procession que nous continuons maintenant le dimanche de la Trinité daterait du XIVe siècle. Et la première mention qui est faite de la marche de Valcourt, c'est-à-dire que le premier document qu'on a trouvé date de 1429. Et ce document parle de compagnons armés ainsi qu'il est de coutume. Donc ce qui veut dire qu'il y avait quand même déjà une escorte. Tout cela s'est poursuivi jusque la fin du XVIIIe siècle. La fin de l'Ancien Régime, on peut le considérer vers 1793-94. À ce moment-là, nous avons d'une part les édits de Joseph II qui restreignent, disons, le nombre de processions, qui interdisent aussi le port de déguisement dans ces processions, et d'autre part, à quelques mois près de différence, nous avons l'invasion de la Belgique par les troupes françaises de la Révolution. La Révolution française a interdit les manifestations extérieures du culte. Donc à ce moment-là, toutes les processions ont été interdites. La procession n'existant plus, son escorte n'a plus existé parce qu'elle n'existait que parce qu'il y avait la procession. Il y a donc une interruption jusque vers 1802-1803. À cette époque-là, Napoléon a signé le concordat avec... Non, c'était pas encore Napoléon, c'était Bonaparte. A signé le concordat avec le pape de l'époque, autorisant à nouveau les manifestations du culte. Et la procession de Valcourt a été réorganisée en 1802 ou 1803, et immédiatement, le maire de l'époque a demandé au préfet de Valcourt l'autorisation de continuer à escorter la procession avec des hommes en armes, ce qui a été autorisé par le préfet Pérès. Donc, la procession et son escorte ont repris à Valcourt, d'une façon certaine, en tout cas en 1803, jusque 1814-1815. Quels uniformes portaient les hommes à ce moment-là? Presque certainement pas les uniformes napoléoniens, puisque c'était les uniformes de l'époque. Nous arrivons donc à 1814. C'était déjà une période troublée, puisque les Alliés avaient envahi la France. Nous, nous étions ici occupés, si je peux dire, parce que nous étions encore français à cette époque-là, hein. Nous étions occupés par des troupes ennemies, dont notamment des Cosaques. Il n'empêche que la procession a eu lieu. Les temps étant troublés, on n'a pas eu les escortes qu'on avait précédemment, parce que sous l'Ancien Régime, il y avait peut-être quelquefois 10 compagnies qui venaient des villages voisins. Bon, à cette époque-là, 1814, il n'y a probablement eu que 2 soies qui est venu. Et ils sont venus à 4 pelés et un tondu. Et ils avaient comme arme des bâtons. À part la grande interruption, disons, de la Révolution française, il y a eu à nouveau, naturellement, 2 autres interruptions, c'est-à-dire pendant la guerre 14-18 et pendant la guerre 40-45. Mais j'ai constaté qu'à Valcourt, on a recommencé à marcher en 1919 et en 1945. Donc, les seules interruptions ont été dues au fait de l'occupation par des troupes étrangères. On peut considérer même que depuis la création en 1400 et quelque chose, jusque maintenant, il n'y a pratiquement pas eu d'interruption volontaire. Naturellement, les guerres n'ont pas été sans dégâts. Et notamment, après 1945, il y avait une certaine désaffectation, qu'on avait d'ailleurs connue dans les années 30, au moment où on a connu beaucoup de chômage. Et dans les années donc, qui ont suivi l'immédiat après-guerre, il y a eu une désaffectation. Et c'est comme cela qu'il y a un comité qui s'est constitué, notamment au départ des cheminots de Valcourt. La gare de Valcourt était encore très importante à cette époque-là. Et les cheminots ont constitué une deuxième compagnie pour marcher à la Trinité, compagnie qui s'est trouvée beaucoup plus nombreuse que la compagnie, appelons-la traditionnelle, quoi. Cette
marche là, cette compagnie-là a marché en tant que telle pendant 2 ans ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et par la suite, le conseil communal, qui voyait l'autre péricliter d'ailleurs, et qui ne voulait peut-être plus voir certains officiers de l'ancien corps d'office, le conseil communal a décrété qu'on donnerait le corps d'office au groupe qui se présenterait complètement formé. Et c'est comme ça que l'ancienne compagnie, appelons-la ancienne, des cheminots, s'est présentée avec un corps d'office complètement constitué. C'est à eux qu'on a donné donc le droit de constituer la compagnie. L'autre a disparu et depuis lors, bon, la compagnie est devenue ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire une belle compagnie, même avec 3 compagnies, puisqu'elle s'est développée avec les Zouaves et avec la Jeune Garde. Donc pour qu'une manifestation soit reconnue comme authentique, folklorique ou traditionnelle, il faut qu'elle existe au moins depuis 100 ans. En ce qui concerne les marches, plus particulièrement, il y a un autre critère qui doit être mis en exergue, c'est celui de constituer l'escorte d'une procession. Et quand je dis une procession, c'est vraiment quelque chose qui existe également depuis un certain nombre d'années, et cette procession ayant été organisée généralement en vertu d'un vœu ou pour remercier d'une guérison ou d'un miracle quelconque. Parmi les plus anciennes, il y en a certaines, comme Walcourt, par exemple, qui n'a pas seulement plus de 100 ans, on pourrait presque dire, dans l'état actuel des choses, qu'elle a au moins 650 ans